Salut tout le monde, c'est Catherine avec un K et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog! Ça fait longtemps que j'ai fait un vlog sur une journée quotidienne. Quoique aujourd'hui c'est pas tant une journée typique. Parce que mon mari et moi s'en allons sur le bateau mouche à Montréal ce soir. Donc j'ai décidé que j'allais vlogger toute ma journée pour pouvoir vous montrer les belles images sur le bateau mouche tout à l'heure. Là, on est dans la voiture, on s'en va faire une courte épicerie et chercher un nouveau porte-bébé qu'on a acheté pour les enfants. Et pour papa, en fait, surtout pour papa, parce que papa aime pas beaucoup les écharpes. Ben en fait, il porte pas en écharpe. Fait qu'on y a acheté un porte-bébé préfermé! Wouh! On va vous montrer ça. Puis après ça, ben on va faire des câlins à notre garçon qui s'ennuie parce que hier on était très sollicité, donc il n'a pas eu toute notre attention, puis là il est comme mad. Fait qu'on va lui donner plein d'amour! Puis après ça, on va manger! Après, je vais faire du montage pendant la sieste de Coco. Puis finalement, c'est ça, on va aller au bateau mouche. Donc, je vous montre toutes ces images de ma journée fantastique! Show. Bon appétit! Alors, je voulais vous montrer les achats qu'on a fait au magasin Mère Hélène. Donc, dans le sac ici, on a... Wouhou! On a d'abord des petites cuillères pour notre beau Éloïc. Ensuite, on a une couche qu'on a achetée pour Éloïc aussi. Bébé de février. Elle est full belle. Avec des petits cœurs, là. Puis, on a acheté. Ça, je vais vous le montrer après. Hein, ce qu'on allait pour le porte-bébé. C'est pas celui-là sur l'image. En fait, c'est celui-là sur l'image ici. Donc, je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Voilà. Il est beau, hein? Regarde ça! C'est un chien paro. Donc, c'est ça ici. Là, je vais pas vous le mettre parce que c'est vraiment plus pour mon mari. Moi, je suis vraiment plus écharpe de portage. Mais mon mari, il était pas capable avec les écharpes. Donc, j'y ai acheté celui-là pour qu'il puisse le faire. Et j'ai acheté des protège-bretelles parce que Éloïc... Il mâchouille les bretelles du porte-bébé. Donc là, on a juste à mettre les protège-bretelles dessus. Fait qu'il va mâchouiller les protège-bretelles à la place. Puis on a juste à les enlever, les protège-bretelles, pour nettoyer que ça, au lieu de nettoyer le porte-bébé au complet à chaque fois. Donc ça vaut vraiment la peine aussi. Donc c'est ce qu'on a acheté!
J'ai pas fait grand chose cet après-midi parce que je filais vraiment pas. Des nausées, j'ai failli vomir, puis mal de tête. Et de la grossesse. Alors, je me suis reposée, je me suis couchée, j'ai essayé de faire une sieste. J'ai pas dormi, mais au moins, je me suis reposée. Une chance que mon mari était là pour s'occuper de Coco. Donc, j'ai pu me reposer un peu. Là, ça va un peu mieux. J'ai plus mal à la tête. Bonne nouvelle. Mais j'ai encore mal au cœur. Sauf que c'est moins pire. J'espère que ça va passer puis que je vais quand même réussir à passer une belle soirée sur le bateau mouche. Donc là, je vais essayer de me mettre un peu plus belle et présentable pour mon mari. Donc, je vais me peigner un peu. Puis je vais me maquiller un tout petit peu, là, rien de très, très compliqué en fait. Je vais seulement mettre quelques petits trucs sur mes yeux et tout rouge à lèvres. Donc, rien de très complexe. Les cheveux, bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce fard. C'est tout ça comme ça on appelle un shadow. Un eye shadow. Et celui-ci. Ça. Ce eye shadow. Oui, ensuite je vais me mettre ce mascara qui est mon préféré. Puis je vais me mettre du fard à joues, celui en haut. Et finalement je vais mettre ce rouge à lèvres qui est mon rouge à lèvres préféré aussi. M'habiller.